panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. She's a Dolly in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Hey, salut tout le monde, c'est Ultra, j'espère que vous allez bien, en tout cas, j'ai super bien. Et j'ai le grand plaisir de retrouver pour une vidéo vraiment assez spéciale. C'est une vidéo pour vous remercier pour les 2000 abonnés, parce que voilà, on les a enfin atteints, les 2000 abonnés. Je n'envoyais pas, je tenais vraiment à tous et à toutes vous remercier. Pour tout le soutien que vous me fournissez, vous êtes souvent là sur les lives, sur les vidéos, certes, j'ai pas toute ma communauté qui est active, mais j'en vois qui sont vraiment motivés, tout ça, et qui sont vraiment présents, et ces personnes-là, je les remercie vraiment énormément. Et donc voilà, les 2000 abonnés, je les ai atteints hier, alors vous verrez ces vidéos, je les ai atteints hier en live. Et donc voilà, vraiment merci à toutes les personnes qui ont partagé la live à fond, qui m'ont aidé pour atteindre ce nombre. Tenez réellement vraiment à vous remercier parce que c'est juste ouf. 2000, certains vont me dire que c'est rien, mais pour moi c'est énormément. Pour les 2000 abonnés, j'ai déjà prévu certains trucs. Mercredi, c'est-à-dire après-demain, il y aura un concours avec 3 comptes lobby sur Black Ops 2 à gagner. Enfin, sur Black Ops 2, autant il y en aura sur GTA, autant il y en aura sur d'autres Call of Duty. Mais il y aura 3 comptes avec un lobby, c'est-à-dire un local et Prestige Max, il n'y aura pas de mode only ou quoi, qui seront gagnés, que je ferai gagner. Donc voilà. En parlant de ça, j'ai lancé un concours sur Twitter récemment. Vous pouvez aller y participer, c'est fait juste de retweet et de me suivre sur Twitter, tout est dans la description. Comme ça, au moins, vous aurez, on va dire, une chance en plus de gagner un compte lobby. Puis en tout, j'en ferai gagner 4. Ce concours est spécial Halloween, on va dire. Et donc voilà, c'est juste ouf parce qu'il y a précisément 3 mois, jour pour jour, à l'heure où je tourne cette vidéo. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, en fait, je viens de couper mon live. Là, je dois partir quelque part juste après. Et là, je tourne la vidéo comme ça en rentrant chez moi. Je pourrais faire le montage et vous la mettre pour lundi. Bref, revenons au sujet. À l'heure où je vous parle, on est le 22 octobre. Et c'est-à-dire, il y a précisément 3 mois, c'est-à-dire le 22 juillet, je n'étais qu'à 1000 abonnés. Enfin, j'avais atteint les 1000 abonnés. C'est toujours précis, et donc voilà. Ça me fait super plaisir en fait de les atteindre le jour où j'ai atteint les 2000 abonnés. Les 1000 abonnés, pardon. C'est-à-dire 3 mois après, ça me fait super plaisir de base. Je voulais les atteindre hier soir, c'est-à-dire le 21 octobre. Mais après, je me suis dit, allez, j'ai un petit peu à attendre histoire qu'on les atteigne aujourd'hui. Et on les a atteints aujourd'hui, voilà. Ça me fait vraiment super plaisir. Je tenais vraiment à tous. Je remercie toutes les personnes qui ont partagé le live, commenté une vidéo, qui sont vraiment là tout le temps. Et donc voilà, c'est pour ça que pour les 2000 abonnés, à l'occasion, j'ai recruté le nouveau modérateur qui, normalement, à cette vidéo, seront déjà recrutés. Alors, je vous parle, j'en ai déjà recruté un nouveau du nom de EIGECO. BS, félicitations à toi mec. D'ailleurs désolé si j'ai un peu la voix cassée, c'est juste que j'ai pas mal crié et tout. Puis en plus tout à l'heure en live j'ai failli mettre la nucléaire, mais je suis mort à 20-0. Mais bon, ça n'en parlons pas. Bref, et donc voilà, en plus j'ai énormément parlé parce qu'il y a vraiment, il y avait énormément, on va dire, d'actions dans live, parce qu'il y avait des nouveaux abonnements, j'avais les remercier, il y avait des personnes qui me posaient des questions, tout ça, c'était un vrai bordel. Normalement j'ai les modérateurs qui sont là pour m'aider. Énorme dédicace à vous, il y a Vox, Copada, Barine, Unlimitator, et il y en a plein d'autres, désolé si j'en oublie, mais il y en a vraiment pas mal. Il y a aussi Warsin et Mister VM qui sont modérateurs d'ailleurs, Mister VM normalement, alors où je te parle, t'aurais remis modo parce qu'il y a eu un bug, j'avais fait une blague comme quoi j'avais banni de mon live, mais à ce qui paraît, il peut plus revenir. Bref, et donc voilà, et aussi à l'occasion des 2000 abonnés, enfin ça va être à l'occasion des 2000 abonnés et de Halloween, je compte faire une vidéo sur le jeu Outlast, qui est un jeu d'horreur où je risque vraiment de flipper ma race, mais je pense que vraiment ça pourrait être vraiment marrant cette vidéo. La vidéo normalement sortira le 31 octobre, si je ne dis pas de bêtises, je sortirai pour le jour d'Halloween, exceptionnellement je ne sortirai pas une vidéo le lundi mais le mardi pour le jour d'Halloween, donc voilà, joyeuse Halloween à tous en fait. Et aussi bonnes vacances à tous, parce que voilà, c'est le début des vacances, ne vous inquiétez pas. J'ai prévu plein de live, plein de vidéos, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui me demandent à m'affronter en 1 contre 1. Ça, c'est ce que je comprends parfaitement, parce que qui ne veut pas m'affronter en 1v1. Ah, bien évidemment, je plaisante. Et c'est pour ça que dès cette semaine, je pense que cette semaine, je ferai un live consacré que au 1v1. J'essaierai d'affronter un maximum d'entre vous en 1 contre 1. Précise que le live risque de durer bien 3-4 heures, sans vous mentir. Je peux pas vous dire la durée, je pense qu'il va durer entre 2 et 4 heures sûres. Mais par contre, les 1v1 sont assez spéciales, il n'y aura pas de spawn trap, parce que en fait, pour moi, c'est mon avis. J'apprends le spawn trap ces derniers temps, je vais pas vous mentir, je m'entraîne un peu à spawn trap et tout. Mais un vrai 1v1 ne se joue pas sur le spawn trap. Mais vraiment sur le niveau, sur le scout et tout. Sur le spawn trap, c'est vraiment stylé. Je prends l'exemple de Sazuro, d'ailleurs, énorme dédicace à toi et encore une fois à Daniel Waza, parce que dès que j'ai une dédicace à l'un, je vais faire une dédicace à l'autre. Qui lui, vraiment, fait un 1v1 spawn trap. Mais pour moi, un 1v1 spawn trap, c'est pas vraiment un 1v1 parce que ça joue. Jamais tu sais bien spawn trap, ben en fait, tu peux gagner quelqu'un à 1v1. Mais bon, quand même, c'est 1v1, je les trouve grave stylé. C'est pour ça que je regarde les vidéos de Sazuro. Je dis pas que les gens qui spawn trap sont vraiment des merdes ou quoi. Non, au contraire, ils ont énormément de niveau parce que ça prend du temps à spawn trap. Hein. Mais moi, parfois, j'apprends à spawn trap et je peux vous assurer que c'est pas si simple que ça pour ceux qui ne savent pas. Du coup, voilà, et les 1v1, je pense qu'ils se feront en 20 points, comme ça au moins je pourrais en faire un maximum. Et donc voilà, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, sur Twitter surtout, sur Snapchat, peut-être pas Facebook, parce qu'il n'y a pas énormément de personnes sur Facebook, mais sur Twitter et Snapchat, je vous dirai quand se fera le live, de quelle heure à quelle heure, enfin non, juste l'heure du début, peut-être pas l'heure de la fin. Et donc voilà, et une vidéo sur le spawn trap arrivera d'ici les vacances normalement, très prochainement, sur une vidéo sur le spawn trap, parce que c'est quelque chose vraiment que j'adore aussi. C'est pas parce que le spawn trap pour moi c'est pas 1v1 ou ça joue sur le niveau, mais sur le spawn trap, ça j'adore vraiment, c'est pour ça que je regarde les vidéos de Sazuro d'ailleurs, et les
des vidéos d'autres spawn trappers de temps en temps. Parce que ça me fascine vraiment de voir en fait, quoi de bien précis et tout, bref. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai initié tous les spawn trappers, vraiment. Bravo à vous, tout simplement. Puis voilà, et aussi je compte faire, pour ceux qui ne connaissent pas, le Pack-a-Punch Challenge. Le Pack-a-Punch Challenge, c'est-à-dire qu'en une seule partie de zombie, tu dois, on va dire, améliorer toutes les armes. Je crois que c'est ça le Pack-a-Punch, peut-être qu'il y a des détails, genre, comme quoi tu dois faire immense avec chaque arme et tout. Je ne sais pas, mais bon, moi je le ferai comme ça, et je pense que le live je le ferai dans la semaine, genre peut-être mercredi ou quoi, je verrai, selon mon envie. Donc, en tout cas, merci encore une fois pour les 2000 abonnés, c'était juste oufissime le live. Il y a vraiment eu du mou, j'ai pris 50 abonnés en un seul live, je crois. Rien que le week-end dernier, j'ai pris près de 100 abonnés, et donc voilà, merci à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes la bienvenue sur, sur ma chaîne, dans Oui Oui Family. Et donc voilà, en tout cas, moi je vous laisse, c'était Walter. J'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Encore une fois, merci, et aussi, encore une fois, félicitations à tous les spawn trappers, parce que je le précise encore une fois, je ne vous insulte pas, je dis pas que vous êtes des merdes ou quoi. Mais pour moi, un vrai 1v1 ne se fait pas comme ça. Après, je sais qu'il y a des tournois de 1v1 comme ça, mais bon. Après, moi, un réel 1v1 où vraiment tu veux tester le niveau de quelqu'un, ça se fait pas en spawn trap. Bref, mais en tout cas, félicitations quand même à tous les spawn trappers qui regarderont cette vidéo. Moi, je vous laisse, c'était Walter. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos. Merci à tous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Tout le monde, allez, bye. Depuis le platine, je me la coule douce. Maman, prépare-moi le couscous. Tous ces rappeurs sont à bout de souffle. Je suis serpent, tarte et pouf souffle. Ça marche pour nous et t'as les boules. À ta tête, je vois bien que t'es déçu. Fais péter la canette de Red Bull. Frérot, y'a ma tête dessus. Tous des contrefaçons qui viennent de Chine. J'en plus d'albums qui vendent de shit. Je suis avec du jardin.